Haïtien, tout partout dans quatre coins monde là. Bonjour, bonsoir. Dépendamment de l'heure attendez nous là. Bienvenue sur Chanel pour là. Chanel qui toujours porter bon gens nouvelles pour vous, bon gens information sans fausse côté, sans vous remonter. Bien nous connaît information qui a dominé actualité là. Bien jeune fille Marlene Flora Niristan lui-même qui c'est étudiante dans deuxième année Université Notre-Dame d'Haïti qui disparaît depuis jeudi 22 avril 2021 et bien au jeune cadavre dans un ragé dans commune Taba. L'autre information n'a pas pour porter pour là malgré président Jovenel Moïse déclaré état d'urgence sécuritaire sur quelques zones dans pays mais ça pas empêché kidnapping nan continuer bien individu kidnappé professeur dans faculté de médecine et pharmacie FMP Marie Josette Malvoisin et ont demandé $400,000 américains pour capable joindre libération li bien dernière information n'a bien pour porter pour quoi groupe dit li inquiété li à cause situation insécurité qui passé dans pays a. Et bien c'est toute information ça avec un pilote encore n'a bien pour porter pour ou même qui pourquoi abonner à channel là n'a mande faire ça kounya là comme ça ou pas perdre yon grain dans information n'a bien pour porter pour ou encore. Et bien je nous t'ai annoncé là quoi groupe dit li inquiété à cause situation insécurité qui passé dans pays a. Bien nous note qui sorti nous connaît qu'au groupe lui-même li formé deux ambassadeur Allemagne, Brésil, ambassadeur Canada, ambassadeur l'Espagne, ambassadeur les États-Unis d'Amérique, ambassadeur la France, ambassadeur l'Union européenne, li gen la dan tout représentant spécial organisation état américain ça nous relé OEA, li gen tout représentant spécial secrétaire général Nations Unies. Bien tout groupe moun sa yo même yo met ensemble pour faire connait eh bien accord politique qui pa gagné entre acteurs politiques dans la coupe pays d'Haïti fragiliser élection qui gagne pour fête là élection qui t'a dû organiser dans l'année 2021 nous connaît qu'au groupe eh bien si on a supporté pouvoir en place là ça veut dire même yo plus ouais intérêt qui c'est élection ou le intérêt peuple là mais je juste dit yo inquiété à cause situation insécurité a mais yo pas fait exigence pour yo exiger pouvoir lui-même pour lui bail sécurité dans pays a bien yo vont message à tout acteur qui en opposition qui en pouvoir et bien pour faire un dépassement de soi pour capable gain élection plus rapide que possible dans pays ya et nous connaît année là élection en pile monde dit li pas possible depuis dans référendum qui a annoncé pour 27 juin cap vini là et bien yo dit yo pas dans référendum mais tout yo pas dans élection qui gens ça lui même li pral fini. Et bien l'autre information nous porter pour là qui a rapport avec insécurité dans toute forme bien Marlene Flora Niristan lui même jeune étudiante ça qui dans deuxième année sciences infirmières dans faculté dans université Notre-Dame d'Haïti UNDH lui même qui disparaît depuis 22 avril 2021 bien après en pile par en pile famille relé en mouille et bien yo arrivé joine cadavre li nan ragé nan commune Taba qui pas trop loin l'hôpital nos petits frères et sœurs bien bagay ça li tourmenter l'esprit tout monde parce que n'a songé bien déjà te gen yon l'autre jeune demoiselle ça t'est arrivé qui c'est Evelyne Sincère lui-même nous pas jamais oublier
lui-même qui était disparaître, il a demandé l'argent pour lui-même et il a vu une colle son pile fatra. En pile par en pile sous dossier, fait sous dossier ça. Vous faites tout non dossier politique, vous entrez G9, vous faites parler en pile, eh bien, vous accusez ménage li comme quoi c'est les causes qui commettent la pito. Eh bien là, vous l'autre demoiselle encore victime, même manière. Ya. Bien, dans la photo, on a regardé sur les réseaux sociaux, capable de voir Marlene Floraniri stand lui-même, qui a un code passé dans le coul, qui tout tourné. Bien, quand il y a un changement de couleur, tant qu'on monte son monde, torturé mes amis. Bien, il finit avec elle et il touille là. Mais, à peine mon a parlé, famille t'a fait quoi? Bien, avant d'y aller en stage dans l'hôpital Université La Paix, qui trouvait quoi là, Delma 33, bien, il t'a fait qu'on est, il t'a doué passer ouais, si bouboutli. Est-ce que Kounia qui enquête qu'a mené pour capable eh bien faire lumière sous dossier ça puisque dans moment n'a parlé là juge de paix est venu fait constat et ko Marlene Floraniri san li même li dans morgue dans l'hôpital nos petits frères et sœurs. Est-ce que l'homme ça a passé comme une lettre à la poste? Ça veut dire il a juste pris Marlene Floraniri et puis il a fait enterrement tant que son chien mouria. Tu avais dit, il n'a pas élucidé comme ça, et bien pour ta juste prendre le cadavre, il a mis le morgue, et puis tant de familles viennent faire funérailles. Qui enquête qu'a mené sous dossier ça? En tout cas, UNDH lui-même a condamné Zaksa. Qui soulevait quoi les tout étudiant au même qui a demandé justice pour Marlene, eh bien, n'a pas songé tout. Marlene lui-même, ils sont jeunes demoiselles, 32 ans seulement, deuxième année, sciences infirmières, il est fait stage dans l'hôpital La Paix Delma 33. Eh bien, l'autre information, nous portons pour là, individu à examen kidnappé, professeur dans la faculté de médecine et pharmacie FMP, Marie. Josette Malvoisin. Et selon information de sous sûr t'a fait quoi? Eh bien, yo mandé $400,000 américains pour ta libérer. Bien, plusieurs étudiants na FMP au même temps un gros mouvement protestation pour mandé libération. Bien, pharmacienne ça Marie Josette Malvoisin lui-même. Association pharmacien d'Haïti APH, rectorat université d'État d'Haïti a lui-même nan note yo déflorer ça qui passé a puis yo fait connait trop professionnel nan santé victime za kidnapping. Si n'a pas un petit gens tout petit remonter quelques mois de cela bien n'a songé Enspadi docteur Enspadi lui-même nan tentative de kidnapping te jeune l'en mol. Puis récemment là, docteur André Junior Valambo lui-même t'es subi za kidnapping et t'es gagné infirmière qui t'es mort tout. Ça veut dire eh bien insécurité à kidnapping n'a frappé professionnel nan santé au très fort. Et malgré président République là lui-même t'es sorti décret pour faire qu'on ait déclaré état d'urgence sécurité sous quelques zones. Et ces zones ça qui implique en pile dans kidnapping qu'a fait dans pays a mais kidnapping n'a toujours rété pour la plus belle bien état d'urgence sécurité ça n'est pas utile en rien dans pays a et détecter vite là tu fais un ralentissement dans kidnapping nan, et bien kidnapper vient sentir trois à l'aise parce que kidnapping vient tourner pain quotidien et bien yo kidnappé moun sans vite machine patente kounya. Si descend rale gozam et puis kidnappé yo. Comme rappel, mois janvier te gen 55 cas kidnapping. Mois février te gen 65 cas kidnapping et mois mars te gen yon baisse li te réduit à 27 cas kidnapping. Eh bien pour mois d'avril 2021 là eh bien cas kidnapping yo
déjà dépassé. Il y a une trentaine. Et trentaine, c'est K qui parle. Et les gens qui nous connaissent, le kidnapper, ça n'a pas jamais fait bruit. En tout cas, il y a grave, il faut que l'autorité même fait action concrète pour lutter contre le phénomène. Si là. Eh bien, c'est avec dernière information, ça tout. Nous mettons en bout avec série d'informations que nous avons portées pour vous. Merci à vous-même qui avez prêté notre attention avec fidélité. Nous cassons rendez-vous très prochainement pour l'autre série d'informations vraiment intéressantes. Et nous invitons à abonner à la chaîne, partager l'information, activer la cloche de notification. Comme ça, vous ne pouvez pas perdre une graine dans l'information pour vous encore.